Salut, salut! J'avais envie de partager quelque chose avec toi. Une journée, j'ai fait une sieste. C'est pas tout. Et en me réveillant, j'avais une image et une idée. Et cette idée, c'est que parfois, on se regarde comme un produit fini. Tu vois que. Ce que je peux autant parfois dans les cours de yoga, bah, j'ai mal aux épaules, je suis foutu, ou j'ai mal là, et comme si ça devrait être pour toujours, tu vois, que ça me définit, tu vois. Ça peut être aussi, je parle pas anglais, tu vois, en France, on peut autant souvent ça. Et j'avais cette idée-là, j'ai essayé de trouver les bons mots pour ça. Et en même temps, j'avais une image d'un cajou, d'un noix de cajou. Tu connais? Celui-là, là. Tu vois? Qu'on peut manger en 3 secondes, 4 secondes. Et en fait, l'idée qui était, c'est soit on se regarde comme un produit fini, et on regarde les graines, notre cajou, on le mange, ouais, c'était bon. Ou tu peux regarder qu'il y a du potentiel de. Faire tout un arbre qui mesure 15 mètres. Il est immense cet arbre. Ça vient de ces petits trucs. Et moi je suis convaincu qu'on est 8 milliards des petites graines qui peuvent grandir, évoluer, aller là où tu as envie d'aller. Et qu'aujourd'hui c'est le point de départ vers quelque chose de grand. Et ma question à toi, est-ce que toi tu te vois souvent comme un produit fini? Voilà, ça va se passer comme ça jusqu'à la dernière respiration. Ou est-ce que tu te vois comme une graine avec un potentiel de faire un grand arbre? Voilà. Je te souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.